et bienvenue. Donc aujourd'hui, désolé, pas de CX, pas de café rasseur, pas de machin, pas de machine-outil, ce sera de la forge, ça va être de la forge. Là on arrive sur les beaux jours, même s'il fait encore froid, pour travailler au jardin. Et on m'a demandé il y a longtemps de modifier cet outil pour en faire un autre, pour faire autre chose. Donc là je vais le faire parce que il y en a besoin. Donc je transforme ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une petite, je suis pour faire des rainures dans la terre. Donc ça c'est une binette, il faut que je le modifie pour en faire une espèce de truc à faire des sillons. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Donc c'est pas de la forge machin, je vais me servir de la forge effectivement parce qu'il faut que je chauffe, que je plie, que je refasse le système, que je change l'inclinaison de ça, que je remette un manche, enfin bon bref, voilà, il faut avoir un petit peu de travail du métal et autres aussi affinités. Allez, on s'y met. Bon alors d'entrée je fais une connerie de débutant de merde. Je la fais cramer, je la mets dans le feu, je recouvre de charbon, puis là je m'étais pas préparé, donc j'avais pas préparé de pince, j'avais pas préparé mes gants de marteau, et je commence à tourner machin, mais quelques secondes, hein, et d'un seul coup je me retourne, je vois que ça crame, et là je me tape la tête par terre, fait chier. Bon, c'est pas trop grave, je pense que là j'en aurais pas eu besoin, vu que je vais recouper en biais, mais ça dégoûte quoi, on commence et on bousille déjà le truc quoi. Allez, on continue quand même. À peu près. Ça me paraît pas mal ça.
Ça a l'air d'avoir trompé quand même. Hein. Chaud en fait. Bon alors le manche je l'ai déjà, hein. Il n'y a plus qu'à le modifier parce que c'est un peu fort, donc on va le tailler en sifflet pour que ça rentre là-dedans. Donc un gros clou de charpentier. À couper là. Yeah.
naïveté. J'aurais pu. Bon, pour être bien, il faudra qu'il soit là. Moi, pour l'être bien, il faut que je sois là. Je vais le détordre un petit peu de là. On dirait un oiseau. Ouh, pardon. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller l'essayer dans le jardin. Le jardin n'est pas ici, donc il faut que je la ramène sur mon vélo. Ça va être discret, tiens. Pratique, bon, ça ira. Pas une arme. Voilà, voilà, donc en fait, petite modification d'outils. Bon, rien de transcendant, mais bon, je trouve que c'est sympa. On peut toujours faire autre chose avec ce qu'on a. Ça évite de racheter des fois, quand on a plus utilité d'un truc et qu'on a besoin d'autre chose. Voilà, on modifie, c'est bien, c'est un concept que j'aime bien. Voilà, donc en plus ça s'était cassé, donc de toute façon, il fallait les réparer. Et voilà, bon, bah, un petit outil qui paye pas de mine, j'espère qu'il ira bien. J'espère que j'ai compris ce qu'on m'a demandé, c'est pas évident non plus, une fois quand on n'a pas le bon vocabulaire. Voilà, voilà, bon bah, allez au jardin, essayez ça. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez jardiner, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir, au jardin ou ailleurs.